Salut Vapeur, Arrache de retour pour une petite vidéo rapide ce samedi 5 juillet à 15h26. Petit quick look sur une marque que j'aime bien. Guess avec leur nouveau Slim Switch. Leur nouveau top cap stainless steel. On va passer tout de suite en gros plan. Perdons pas de temps. C'est parti. Il est pas beau mon t-shirt, je suis sponsorisé. T-shirt personnalisé sur un excellent site où on peut faire des t-shirts. Spreadshirt.fr, un peu de promo en plus. Je prépare tout ça. La lumière, comme d'hab, c'est pas fabuleux. Reste là, t'es gentil. Pourquoi elle veut pas rester là? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Voilà. Donc, j'ai reçu ce matin. J'ai dû aller chercher à la poste puisque le facteur n'a pas daigné sonner hier, malgré ce qu'il affirme. Petit paquet de graisse qui comprenait le Slim Switch, nouveau Switch revisité par Gus. Alors c'est un modèle supplémentaire, il existe toujours l'ancien Switch, et le top cap stainless steel airflow control. Le tube je l'avais déjà. Voilà un petit setup full stainless sauf le bouton. Donc, on va démonter tout ça. Donc, le top cap full stainless, vachement épuré par rapport aux anciens top cap airflow control, si on compare ici avec celui du Lord. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de petits zigouigoui, il n'y a plus de couronne. Très épuré. Ils ont creusé le filetage au niveau des trous qu'il y a au fond. Je sais pas pourquoi, mais moi j'aime bien l'idée de creuser le filetage. Ceci dit, là c'est pas indispensable puisque l'air arrive directement au cul du carto. Mais les top caps qui ont des évents sur le haut et qui creusent pas les filetages, pour moi c'est totalement useless quoi. Puisque les trous des carto se retrouvent dans les filetages, enfin c'est pas adéquat. Donc là pour le coup, je sais pas pourquoi ils ont fait ça en plus des trous au fond, mais voilà, ça a le mérite d'être là. Ce qui n'était pas le cas ici. Par contre, c'était le cas sur le G16. Bref, on s'en fout. Top cap full SS, tout lisse, qui tourne pas trop mal. Bon, évidemment, là, j'ai un peu les mains moites. Mais ça tourne quand même beaucoup mieux que sur le Lord, sur lequel j'ai quand même des soucis à le tourner. Il y a deux paires de trous. Donc, vu qu'il n'y a pas de repère, il n'y a pas d'option un seul trou ouvert, hein, ce qui ne sert pas à grand-chose, vu que ce sont des trous en biais. On peut régler à loisir son tirage. On peut régler à loisir son tirage. Ça glisse. Avec le petit biais qui se fait apparaître. Mais bon, ça tourne bien. Hein. Là, j'ai l'impression de galérer, mais ça tourne très bien pour le moment. Et donc, vu qu'il n'y a pas de repère, ils ont fait deux paires de trous. Donc, on tombe rapidement sur les trous. Quoi. Bon, après, on passe pas son temps à régler son airflow. Hein. Donc, voilà, top cap, super sobre.
deux bagues de même épaisseur. Donc voilà, toujours le même système en dessous, hein. Fusible ou pas, réglable, etc. Ici j'étais en kick plus 350. Le tube donc que j'avais déjà, le tube qui est dispo en ce moment sur leur site, c'est pas le même logo, ça c'est la version d'avant que moi j'aime beaucoup, avec une espèce de sablé au fond des logos. Moi j'aime bien l'effet que ça donne. Le tube actuel c'est un logo avec juste le trait autour de la couronne et le trait autour de Gus, genre outlined, je sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Moi je crois que je préfère celui-là d'ailleurs, il m'a dit qu'ils en avaient en stock, il va les remettre en ligne normalement. Comme ça vous aurez le choix entre ce logo sablé et le logo en contour uniquement. Donc, voilà, une petite finition brush classique. Et le switch, alors le gros morceau, la grosse nouveauté, c'est le switch que j'ai pas encore démonté, hein. Je vais faire un démontage en live, on va voir, j'espère que j'aurai pas de surprise. Donc comparaison avec l'ancien, sachant qu'ancien, comme je disais, il reste au catalogue celui-ci, hein. D'ailleurs il a connu aussi quelques améliorations. Pour faire rapidement sur celui-là, donc il y a un switch housing en brass, ils ont rajouté récemment des petites, donc il y a le système ball bearing, roulement à billes, ils ont ajouté des petites billes, 3 ou 4 je crois, entre la bague de verrouillage et le truc brass là, ça veut dire que c'est pour éviter les blocages. Bon déjà c'est un switch qui se bloquait pas des masses, mais ils ont rajouté des petites billes entre les deux, comme ça il n'y a jamais vraiment de friction, enfin je sais pas trop, je l'ai pas sous la main, je l'ai pas testé. Donc il y a une nouveauté sur ce switch là également, mais en l'occurrence c'est le slim qui nous intéresse. Donc on va les déverrouiller. Différence cosmétique, alors on voit que le switch sort un peu moins, on voit que la bague est moins épaisse, la bague de verrouillage, et un design légèrement plus droit, moins arrondi, biseauté que celle-ci. On voit que les trous de dégazage ont été placés, oh merde, putain, je regarde sous l'écran, c'est mieux, sur la bague de verrouillage, donc les petits trous tout autour ici sont les trous de dégazage. Donc ça passe sous le délerin, on verra tout ça après. Alors qu'avant, le dégazage se faisait avec ce petit gap qui était toujours présent entre la bague et le brass. Je vais me faire chier avec la mise au point, voilà. Il n'y avait pas de trou de dégazage en fait, ça se passait entre les deux bagues là, où il y avait toujours ce petit jour. Donc maintenant, il n'y a plus de petit jour une fois que c'est déverrouillé, ce qui est pas mal. Et le dégazage se passe donc par ces petits trous là. Course toujours relativement courte, bon, ils l'ont raccourci depuis un moment hein, sur leur switch, mais plus courte quand même, super, allez, 1,5 mm, ça reste une grande course à mon goût, avec un bouton qui bouge toujours un petit peu. Bon, il y a toujours les options de ressort, a priori toujours le souple par défaut, vu que je ne l'ai pas encore ouvert, je ne sais pas. Toujours, quoi d'autre, le délerin découpé pareil pour le rafraîchissement de la queue, le refroidissement de la queue pour une circulation d'air meilleure autour de la queue. Ils ont revu leur écrou, c'est un écrou un peu différent, il est plat, donc moi je trouve ça bien. Ça veut dire que le contact avec le cul de la queue est plus important que là où c'était juste le haut de l'écrou qui était en pyramide comme ça. Donc maintenant on a un vrai contact franc, bien plat, bien large sur la queue. Voilà, au niveau du switch, alors on est toujours en filetage 20 par 1, hein. ça n'a pas changé, rétrocompatible absolument le nouveau switch avec tous les anciens tubes si vous en avez. Au niveau du bouton, alors on est toujours en brass, a priori c'est le même brass. Par contre, mise au point, on voit qu'ils ont changé le design, c'est à dire qu'avant ici
Avant, l'empreinte occupait tout le bouton. Bon, là, elle est un peu passée, la gravure. Hein. Peut-être parce que je quête-code trop souvent ou quoi, mais je pense qu'elle a jamais été très très marquée quand même, de mémoire. Mais bon, elle est clairement passée quand même. Ici, donc, elle est neuve. Je l'ai quand même quête-codé à réception parce que c'était assez, assez crado, assez... Hein. C'était pas nickel comme gravure, quoi, mais comme souvent. Hein. Moi, j'ai le même problème avec les gravures d'Atmo Mirani ou d'autres. Un petit coup de quête-code à réception, et c'est nickel. Donc on voit qu'ici l'empreinte s'arrête, voilà, c'est... Et personnellement j'aime moins le design qu'ils ont utilisé. Alors ils, chez Gus, ils changent à chaque fois le dessin de l'empreinte palmaire. Celle-ci était très réaliste, celle-ci est un peu grunge quoi, un peu destroy, ça ressemble plus à une espèce de plantes, enfin c'est moins réaliste je trouve, j'aime moins. Par contre j'aimais beaucoup sur la version encore plus ancienne du Switch, ils utilisaient celle-ci, si j'arrive à vous la montrer, ça je crois que c'est la V1 du Switch qui n'était pas encore sur roulement à billes, ils utilisaient une empreinte très réaliste également, mais pareil qui n'allait pas jusqu'au bord du bouton, moi j'aimais bien. Là, ils ont repris un peu ce principe-là, mais avec un design plus destroy, quoi. Voilà, toujours la couronne, qui a un rebord qui me semble plus important, et le 22, plus important qu'avant. Donc, est-ce que la gravure est un peu plus profonde? C'est possible. Donc, voilà pour le bouton. Démontage. Alors, démontage... On va commencer par enlever la pièce d'ailerin. Donc toujours pareil, pièce clipsée, toute bête. Et donc j'imagine qu'ils ont gardé les mêmes cotes qu'avant. C'est-à-dire 3 mm pour la clé hexagonale. Exact. Et clé Allen de 3 mm je crois pour le bouton. J'espère que c'est toujours en filetage normal. Oh, c'était bien coincé. Alors attention, je sais pas comment c'est foutu à l'intérieur. Je sais qu'il y a des petits changements. Alors, je vais me mettre un petit chiffon doux. Tac. Donc, un écrou en laiton. Ouais, il me semble de meilleure facture que le précédent, et puis toujours, donc je répète, ce contact plat avec la queue, ce qui est bien. Et donc ce qui est super, c'est qu'avec ce système de deux qu'on peut serrer des deux côtés, on peut vraiment bien le bloquer, sans forcer. Il y a beaucoup de gens qui l'ont cassé, moi je l'ai démonté X fois, je les ai démontés X fois, mes switch de gueule, jamais cassé. Mais apparemment, il y a des bourrins qui cassent facilement cet écrou, en tout cas l'ancien. Une petite puff. Alors, on va voir le dessous, ce qui nous intéresse. Ok. Donc, toujours. Le petit ressort doré par défaut, qui est le plus souple. Qui s'enlève, hein, qui est juste rentré en force autour de l'axe central. Je ne vais pas l'enlever, là, on s'en fout. Donc, voilà. J'ai l'impression que la tige centrale est moins haute, oui forcément, puisque la course est moins longue et qu'il n'y a plus leur système de... Ouais, je sais pas, il aurait fallu que je démonte l'autre pour bien faire. En fait, sur l'autre, ils avaient rajouté un petit anneau récemment pour réduire la course, et du coup, là, ils ont fait un écrou plus épais. Du coup, le petit anneau est plus ou moins, si on veut, compris dans l'épaisseur de l'écrou. Plus, ils ont réduit cette cheminée, entre guillemets, là. Donc, voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est le ball bearing. Donc il y a toujours un ball bearing, un roulement à billes, sauf que je vérifie parce qu'on ne sait jamais, des fois on nous dit des conneries. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, c'est bien ça. Il y avait 10 billes auparavant. Est-ce que je vais réussir à montrer le roulement? Maintenant il y en a 8 et pas 10. Et Mario m'a dit que les billes étaient un peu plus petites qu'avant.
mais que par contre, elles étaient mieux clipsées dans la bague. Alors, est-ce que je vais sortir la bague? Elle veut pas sortir la bague. Yes. Donc la petite bague, voilà, j'ai un haut, j'ai une bille qui a sauté ici. Elles m'ont pas l'air plus petites de mémoire, mais peut-être, hein, s'il le dit. Ça sent la graisse, ça sent le mauvais, comme d'habitude, graisse d'usinage. Moi je nettoie, hein, j'ai jamais eu de soucis après que ça crunch parce que j'ai enlevé la graisse. À la limite, je préfère remettre de la graisse alimentaire à moi ou quoi. Mais en général, j'en remets pas et ça va très bien. Faudrait que je lui fasse un petit bain d'acétone pour nettoyer tout ça. Et donc, voyons voir, cette petite bague qui vient emprisonner, voilà, on voit là le trou de la bille. Et apparemment, ils ont revu les cotes et donc les trous pour les billes sont plus ajustés à la bille. Les billes avaient tendance à trop facilement sauter sur l'ancienne version et on devait passer un temps infini à les remettre bien en place et à remettre la bague ensuite. Les billes retombaient, enfin c'était sans fin, il fallait mettre un peu de glycérine ou de salive dans les trous pour que les billes restent en place. C'est vrai que là, ça a l'air de bien rester en place. Bon, il y a de la graisse. Bref, voilà, si vous voulez vous référer à mes vidéos du Lord ou je sais plus lequel ou le Mat où je démonte tout, j'explique le switch en long et en travers, n'hésitez pas, je vais pas refaire le speech ici. Donc voilà cette bague quasiment identique, juste moins de billes et qui tiennent mieux, ce qui est super. Amélioration ici. On remet son bouton avec son ressort. On remet son écrou. On reprend ça avec sa clé de 8, ça avec sa clé Allen de 3, on serre, pas trop fort mais comme il faut. Voilà. Perso, j'ai jamais eu de desserrage sur les Switch Gus, ça c'est super bien. Et donc voilà, Switch qui m'a l'air de fort bonne facture. Alors à noter que quand on verrouille, je vais virer ce qui fait. Qui fout le bordel derrière. Quand on verrouille le switch, c'est beaucoup moins grand qu'avant. Là, on fait hop. Alors, combien de tours ça fait? Si je mets mon doigt là, ça fait allez un tour, même à peine un tour. Alors qu'avant, il me semble, hein. Ouais, non, c'était un tour aussi. Je suis mauvaise langue. Filetage a l'air ok, peut-être un petit peu plus lousse. Ouais, la bague, elle, bon, elle bouge pas vraiment, mais quand on fait ça comme ça, elle joue un peu sur son filetage. Bon, ici aussi, c'est pareil, c'est le même filetage. Par contre, à noter que quand on est verrouillé, on est flush avec le bouton. Un des gros défauts du Gus, c'est qu'on n'était pas flush. Vas-y, avec le bouton, on voit le bouton qui dépasse. Et donc, bon, on restait plat, hein. Mais voilà, là, on est vraiment plat, parfaitement plat, plus stable a priori. Sachant d'autant plus que la bague ici extérieure est plate aussi sur une plus grande largeur qu'avant. On voit ici, elle était quand même arrondie la bague. Elle n'était pas vraiment plate. Donc ça faisait un peu culbuto tout ça quoi. Maintenant, une fois qu'on est verrouillé, on est à plat quoi. Ça bougera plus. Donc voilà pour ce switch. Bon, je l'ai depuis 2 heures, hein. J'ai pas encore fait complètement le tour. Remontons, c'est une fois tout serré qu'on se rend bien compte des choses. Donc voilà un petit setup pas trop cher, un switch à 29,90, un top cap à 29 euros, un tube, je sais pas les tubes, tiens, vu que je l'avais déjà, catégorie dispo à la vente, toc toc toc, tube, combien coûtent les tubes?
15,80, c'est pas le bonheur ça? Alors ici c'est un 18,500. 15,80 un tube quoi. Truc de ouf. Donc 29 plus 29, ça fait quoi? Ça fait 60. Plus 15, 75. On peut s'acheter en pièces. Ce setup complet n'existe pas. Hein. C'est juste des pièces séparées. Donc on peut acheter ce qu'on veut. Top cap, switch, tube. Je répète, les tubes, ça c'est l'ancienne version qui risque de revenir au catalogue. Je pense qu'ils feront une nuance dans l'appellation au niveau du logo, de la gravure. Donc voilà un petit setup à pas cher. J'ai dit combien? 75 euros. Frais de port, je sais plus si c'est compris ou pas. Enfin, tout ça est parfait. Ça arrive vite, bien emballé. Gus, quoi. Ils sont parfaits chez Gus. C'est vraiment. C'est pas du high-end de folie, quoi. Pour être clair. C'est très très correct pour un rapport qualité-prix, très très correct. Ce sont des modes qui envoient très bien. Le fusible, il n'y a vraiment pas de souci avec ce fusible. Je sais que les nouveaux arrivants posent tout le temps et encore la question. Moi, j'ai jamais eu de souci avec les fusibles. Je sais qu'il y en a qui en grillent tous les 4 matins. Je sais pas comment ils font. Moi, ça m'arrive pas. Après, c'est vrai que je vais beaucoup sur Carto, sur mes gus. Grâce à leur airflow excellent, donc je suis jamais en ULR quoi. C'est vrai que j'ai rarement fait de l'ULR, mais on a des fusibles à 15 ampères, donc à 12 ampères, je sais plus, 12, ouais, 12 ampères. On est peinard en ULR normalement, quoi. Voilà, je sais qu'il y en a aussi qui ont des soucis de contact avec le fusible. Pareil, moi ça m'est pas très très peu arrivé. L'important est que ça soit bien vissé à fond si on a un souci de contact. Les filetages de l'isolateur sont pas fabuleux. Ce filetage-là, là, celui que je suis en train de dévisser, ça force un peu. Donc peut-être les gens qui ont des problèmes de contact n'osent pas forcer. Quand on le vit gentiment, normalement, on arrive, là, on arrive, on croit qu'on est bloqué, on est au bout, mais on n'est pas au bout, on peut encore forcer et bien y aller à fond, quoi. Voilà. Je sais qu'il y a différentes versions du pôle ici, petit détail. Moi j'ai remis un ancien là, avec les tranchées, qui est quand même bien pratique cette tranchée. D'ailleurs, il faut que je leur en parle. Je crois qu'ils ont eu tendance à la supprimer. Elle sert justement pour déverrouiller cette pièce. Parce que des fois, c'est pas toujours facile avec les doigts sur le filetage et ça fait mal. Donc cette encoche était quand même pas mal. Mais je crois qu'ils ont un stock de pièces et que c'est un peu aléatoire au niveau de ces pièces-là, quoi. C'est pas toujours, on n'a pas tous les mêmes setups, c'est un peu bizarre. Donc voilà, avec les différentes rondelles pour ajuster le rattle. Tac. Voilà. Petit quick look rapide sur ces nouveautés de chez Gus. Moi j'aime bien ce setup hyper épuré. J'y remets mon carto tank. Bon là j'ai un DTCM, ça sert à rien les arrivées d'air du coup. Mais vu que le filetage du 510 est creusé, j'ai même pas besoin d'ouvrir l'airflow là qui est fermé. A priori ça doit passer. Ça passe. Hop là. Donc voilà pour le petit retour rapide. Donc là, AFC fermé, si je l'ouvre. AFC fermé juste avec le DCCM, ça, DTCM ça passe, c'est pas super à rien. AFC ouvert, c'est beaucoup mieux pour moi. Très bien, cet AFC simple, efficace. Goose Juice, toujours.
Il y a un petit drip type Gus également. Ah, ils mettent leur logo partout hein, chez Gus. Hein. D'ailleurs, en parlant de drip type, j'ai vu sur leur Facebook qu'ils avaient sorti plein de nouveaux drip types. Plutôt pour vous, mesdemoiselles, s'il y a des demoiselles qui me regardent, dispo à la vente, drip type avec plein de petites petits diamonds. Ah ouais, c'est super girly, moi ça me plaît pas du tout. Drip type à 15€, 19€, un peu cher, mais il y a du boulot. Hein. Allez voir leurs drip tips, ils sont originaux, j'ai jamais vu ça nulle part. Ils en font de plus en plus. En poly. Poly. Il y a deux pages de drip type. €15 en gros leur drip type. Il y en a à 11€, il y en a à 12€. Il y a les drip type Gus Lord, les drip type Gus Kiss. Surtout en polish, quelques mats. Bon, ils arrêtent pas de sortir des trucs, c'est des malades. Et leur site est vraiment toujours à chier, mais bon, ça, c'est pas faute de leur dire. Baguette. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Ciao, bonne nap. Like. Oh, not like. Oh!